toutes et à tous. Ces paroles de Torah soient l'Eilu Nishmat, Arlet Baya Batrachel, l'Eilu Nishmat, Monique Sarah, Bet Israël et Pessi, Shlomo Ben Mama. Alors, la semaine dernière, nous avons fait une introduction sur Birkat Amazon. Et nous allons commencer à commenter et à expliquer Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, Minatora, et quand Ezra a souffert l'a instaurée, elle lui a donné la forme, elle comprenait trois Baruch Ata Hashem. Le quatrième, la quatrième Beracha, a été rajouté beaucoup plus tard, 400 ans plus tard, quand, après la rébellion de Bar Kokhba, la ville Bitter, pas Bétar, c'est une erreur de dire Bétar, et même Bétar d'aujourd'hui ne se situe pas dans la région de Bitter, à Bitter, il y avait des guerriers juifs qui se sont battus avec les Romains. Et quand les Romains ont obtenu leur victoire, comme c'était une victoire sanglante pour les Romains, Bar Kokhba leur a détruit. Ils ont interdit d'enterrer les guerriers morts juifs. Ils ont déclaré sur l'endroit zone militaire, accès interdit. 7 ans plus tard, la communauté juive de toute la diaspora qui était sous les Romains s'est mobilisée. Ils ont donné une somme folle d'argent pour récupérer, pour avoir une autorisation d'aller sur les lieux et de chercher le reste de ces soldats pour enterrer. Il y avait des centaines de milliers de cadavres. Et ils ont été très étonnés quand ils sont rentrés sur les lieux. Ils ont trouvé les corps intacts, tous les corps, sans exception. Les corps intacts, des corps qui étaient au soleil pendant 7 ans, pouvez-vous imaginer, qui n'ont pas été touchés par les animaux, qui n'ont pas été abîmés. Et ils les ont enterrés avec grand respect. Et nos sages, quand ils ont vu ce miracle, ils ont instauré une bracha à Tov Ve'Ameti. A El, à Tov Ve'Ameti, Vlanu, Shebechon Yom Bayom, Ueti Vlanu, Meti Vlanu, Ueti Vlanu. Cette bracha a été instaurée suite à cette histoire. Et c'est pour ça que quand on fait le raccourci de Birkat Amazon pour des gâteaux, pour ce qui sort des 5 céréales, qu'on ne le mange pas comme un repas, on fait une bracha Me'en Shalosh. Un raccourci de quoi? Des 3 premières berachot de Birkat Amazon. Pourquoi pas de la 4e? Parce que la 4e n'a pas été instaurée par Ezra. Et après, il y a eu des rajouts de Arhaman, Wishtabach, Al-Kissé, Kivodo, etc., qui ont été rajoutés même plus tard. Birkat Amazon Minatora se termine Bonne Yerushalayim. Alors, on va commencer à commenter les 3 premières Berachot, et après, la 4e. Baruch Ata Hashem, Eloheinu Melech Haolam, on a dit toujours Baruch Ata, sois béni de la source des Berachot. Toi, Hashem, notre Créateur, le Maître de l'univers. Il y a des versions qui ajoutent, avant Ael Hazanotanu, Hazananu
Velo mima asenu. Hachem nous donne la parnassa et la capacité de manger, pas parce que nous avons travaillé et nous avons préparé l'assiette. Ma femme avait un grand-oncle, un juif richissime. Il a construit en Turquie, à Smyrne, tout celui qui va, il y a un monument historique qui s'appelle l'ascenseur Ascensor. C'est un ascenseur où il avait fait, où les bateaux qui venaient du port, au lieu de faire toute la colline pour monter sur la ville, il a fait un ascenseur en plein montagne pour qu'on puisse surmonter toute la marchandise. Et les juifs qui habitaient dans les quartiers en bas, ils avaient un ticket gratuit. Il a fondé avec Rothschild l'hôpital juif de Smyrne et il a construit une synagogue incroyable avec un architecte italien à l'époque. 700 places. Sa famille a construit aussi la synagogue de Buffo et Saint-Lazare à Paris. Marco Lévy. Ils ont été déportés après dans la guerre. Alors lui, il s'appelait Nissim Lévy. C'est le père, c'est le frère de l'arrière-grand-mère de ma femme, c'est Rikucha Lévy. Et lui, comment il s'est enrichi? Il avait un rêve. C'était un garçon très instruit. Il disait, il adorait la littérature française. Et il rêvait toujours sur la France. Et il a ramassé pièce par pièce pour voyager à Paris. À l'époque, dans l'Empire ottoman, c'était la grande mode des dames, elles allaient avec les chapeaux, les grands chapeaux de l'époque, les robes, etc. Et quand il est arrivé à Paris, il a vu qu'à Paris, les femmes allaient avec des grands chapeaux, mais avec des plumes spéciales. Donc il est retourné en Turquie avec 8 grands sacs de plumes qu'il a achetés à Paris. Il achetait les chapeaux, il mettait les plumes, il vendait. Apparemment, ça a cartonné. Et il a commencé à s'enrichir. Après, il s'est mis dans le café et il a obtenu du sultan la seule autorisation de fournir le café à toute la population de l'Empire ottoman à l'époque. Je ne sais pas si vous comprenez que ça veut dire le café pour les Ottomans, les Turcs à l'époque, 200 millions de personnes qui peuvent prendre que son café à lui. Donc il est devenu multimillionnaire. Et quand il est devenu millionnaire, il a eu la maladie de la goutte. La goutte, il ne pouvait rien manger. Il mangeait la viande, le pied enflé, il mangeait n'importe. Et il disait, quand je voulais manger, je ne pouvais pas manger. Et maintenant, quand je peux manger, je ne veux pas manger. Un homme peut avoir beaucoup d'argent, mais il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. Il peut acheter tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire. Mais il ne peut même pas manger un morceau de viande. Tout lui fait des douleurs. C'est ce qu'on dit, Hazananou. C'est Hachem qui te met le pain dans la bouche. Velomima Asenu. Ce n'est pas nous, grâce à ce qu'on fait ou ce qu'on n'a pas fait. On est malin, on va. Ah, mais farnessez nous. Vélom ici de côté, nous. Hachem nous donne la parole à sa papa parce qu'on est tzadik. Qui c'est qui est tzadik par rapport à Hachem? Combien de fois, quand on est déçu sur un ami qui se comporte avec nous d'une mauvaise manière, on est fâché. Combien de fois Kadosh Baruch Hu aurait pu être fâché avec nous, selon notre comportement? Amahadif tuvo aleno. Hachem nous comble de bonheur. Surtout dans notre génération à nous, Berkat Amazon doit être avec le plus grand signe de remerciement. Qui parmi nous connaît c'est quoi la famine? La famine. On oublie qu'il y a dans cet univers, dans le monde, en Afrique,
en Chine, en Inde. Il y a des enfants qui ont faim, qui ont le ventre enflé, qui dorment affamés, qui meurent de manque de nourrition, comment on dit? Nutrition. Nutrition. Ils meurent. Nous, Baruch HaShem, même le plus grand des pauvres en Israël, il ne peut pas dire qu'il n'a pas de pain. Il manque une salade, il lui manque des chaussures, mais du pain, tout le monde a. On est dans un moment de shefa qui n'a jamais existé. Des fois, quand je me mets à table et il y a les enfants et ils font les gâtés, j'ai envie de pleurer. Je regarde la table et je fais le compte. Je leur dis, regardez, vous avez à peu près sur cette table 30 fruits et légumes et épices, si vous calculez bien. Même Salomon, il n'avait pas sur sa table autant. On peut avoir aujourd'hui les fruits d'été, les fruits d'hiver. On a les raisins en hiver. On a la pastèque en hiver, on a le melon en hiver, on a les serres, on a l'export, l'import. Incroyable ce qu'on a. À l'époque, les gens mangeaient une minute. Ils faisaient le Bekret Amazon une heure. Aujourd'hui, les gens mangent 2 heures et font le Bekret Amazon une minute. Un jour, j'étais à Jérusalem, j'ai connu Baruch HaShem quand j'étais enfant. J'étais toujours attiré vers des vieux parce que j'aimais entendre des histoires de l'ancienne époque. Et un jour, j'ai demandé à un vieux comment c'était à Jérusalem à l'époque de la Première Guerre mondiale. Il m'a raconté qu'un tiers des juifs de Jérusalem sont morts. Un tiers des juifs, s'il y avait 30 000 juifs, il y en a 10 000 qui sont morts de faim. Dans les rues, on les ramassait. Il m'a dit qu'à la fin de la guerre, il y a eu déjà la Croix-Rouge et le Joint qui a été fondé. Et que suite à la victoire des Anglais, ils pouvaient envoyer de la nourriture un peu. Et il me dit, ils avaient des centres où ils distribuaient pour les gens du pain et chaque famille pouvait recevoir un hareng, du hareng qui venait en tonneau. Il me dit, et les femmes et les hommes, quand ils passaient à côté du tonneau et on leur donnait le hareng, ils prenaient leur veste ou la chemise, ils la trempaient dans le tonneau pour retourner à la maison et pour pouvoir essorer, pour qu'il y ait une petite sauce, pour pouvoir manger. La misère de l'époque. Partager un œuf bouilli pour 4 personnes. Un quart d'œuf. Il mangeait de l'oignon. Celui qui trouvait un oignon pour manger avec son pain, il était riche. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. Ça s'est fini en 19. C'est pas 100 ans. Moi, j'ai connu des gens qui ont vécu ces moments. Ils m'ont raconté. Les gens sortaient dehors avec leurs livres, leurs draps, les fauteuils, pour avoir un morceau de pain. Des cadres, des photos, tout ce que vous voulez. Tout se vendait pour avoir un bout de pain. Et combien on a de chefs? Combien on a de chefs? Qui c'est qui peut dire qu'il est parti dormir la nuit avec le ventre, même pas avec du pain? Qui? Moi, je ne connais pas un homme en Eretz Israël, sauf s'il est malade, qui n'a pas du pain. Ça n'existe pas. Quand on parle de famine, les gens y croient. Quand on leur raconte des histoires de Baruch HaShem. Combien on devrait dire merci à Azanotanu, Veta Olam Kulo,
Betouvo, par la gentillesse d'Hachem. Le Tov d'Hachem, il ne regarde pas la méchanceté humaine et il donne à tout le monde à manger. La Gemara raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, c'était la famine. Et il a ouvert ses trésors. Il a dit, leur pâte est de ne pas être riche, mais au moins je vais sauver ma ville de la peine de mort. C'était la mort si tu n'avais pas de manger. Mais il a dit une condition. Que celui qui étudie la Torah un peu, il peut venir prendre. C'est ouvert, je ne pose pas de questions. Dites-moi combien d'enfants vous avez. Selon la quantité des enfants, je vous donne à chacun temps et temps de farine pour aller faire du pain. Mais il faut qu'il y ait un lien avec la Torah. Il y a eu un homme voilé qui est venu. Et Rabbi était assis à côté à la table. Et le gardien lui dit, alors, tu peux attester sur l'honneur que tu étudies un peu de Torah? Il dit non. Quoi, tu étudies même pas un peu pour pouvoir te donner? Non. Et il se retourne vers Rabbi. Et il dit, Rabbi, nourris-moi comme un chien ou comme un corbeau. Un chien, à l'époque, les chiens de rue, ils prenaient des pierres, les pauvres. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vaut mieux des fois être chien chez un homme riche que d'être pauvre. Il y a des gens qui laissent des héritages aux chiens, aux chats. Être chien à Ranana, c'est rachou. Ils mangent pas n'importe quoi. Avec l'argent, de quoi tenir un chien, on peut tenir une famille en Afrique, malheureusement. Malheureusement. Alors il a dit, nourris-moi comme un chien ou comme un corbeau. Et quand Rabbi, il a vu ça, il s'est rendu compte, c'est qui? C'était un tzadik, il voulait pas profiter de la Torah. Il voulait pas racheter son pain avec la Torah. Il a dit, ouvrez et donnez à n'importe qui. Eh ben, Kadosh Baruch Hu, il n'en demande rien du tout, aucun compte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Tu fais Shabbat? Tu fais pas Shabbat? Tu as parlé de la Shonara? Tu n'as pas parlé de la Shonara? Il donne. Mais tout vaut. Il donne le pain sans condition. Eretz Israël, c'est une autre chose. Eretz Israël, elle ne supporte pas les Averot. Alors, il peut ne pas avoir de la pluie. Mais Hachem, à l'humanité, il donne. Qu'il soit païen, il donne à manger. Et de ça, on doit apprendre aussi, nous, comme qui est écrit dans la halakha, il y a une halakha, dans les halakhot de Tzedaka, quand vous avez un homme pauvre qui tape à votre porte, et il dit, donnez-moi à manger, s'il vous plaît. J'ai faim. On pose aucune question, et on lui donne à manger tout de suite. Quand un homme, il dit, habillez-moi, ou il dit qu'il a un soin médical à faire, là, on peut poser des questions. Une lettre de recommandation. Moi, par contre, je me contente pas d'une lettre de recommandation d'un rab. Moi, je demande une lettre d'assistante sociale avec le logo de l'État. Parce que pour qu'une assistante sociale ait écrit un papier, elle est obligée de vérifier ses comptes du monsieur. Un rab, on peut lui raconter n'importe quelle salade, on pleure un peu. Voilà, ce matin, j'ai eu un homme comme ça, il est venu. Il est rentré à la synagogue. Il m'a dit, je veux parler. Je lui ai dit, non, je ne le connais pas, on ne parle pas. Tu peux tourner entre les gens. Non, je veux parler, il a insisté. Il me dit, vous n'avez pas honte? J'ai dit, ok, montre-moi tes lettres de recommandation. Pour qui tu ramasses, il me raconte une histoire, pour une famille de 13
Orphelin, j'ouvre la lettre et je vois un collègue dans la lettre. Je lui dis, mais c'est pas. Tu dis 13 enfants, là c'est une lettre pour un collègue. Il dit, non, c'est. Je suis le rab du collègue. Je continue à regarder bien la lettre. La lettre, elle a été donnée il y a 5 ans pour le collègue. Et il a changé la date en haut. Mais tellement, même pas malin. C'est-à-dire avec du type lettre, il a changé, il a écrit. Et je lui ai dit, mais tu sais que. J'ai dit, pourquoi il y a une chose qui a été changée? Il me dit. Le rabbin, il l'a changé. Je lui ai dit, alors pourquoi il n'a pas signé à côté du changement? C'est comme un chèque. Il m'a dit, ah, t'es trop compliqué, toi. Je lui ai dit, c'est vrai. Donc, tu ne ramasses pas. Maintenant, je t'interdis à ramasser. Avant, tu étais anonyme, je ne t'ai pas posé les questions. Tu as voulu t'imposer. Ben maintenant, pour moi, tu es un menteur. Maintenant, tu sors d'ici. Et quand quelqu'un demande du pain à manger, il ne demande pas pour marier, il ne demande pas du pain, tu es obligé de lui donner tout de suite. De quoi manger? De quoi manger? Bon, un jour, il y a des gens aussi qui mentent. Hein. Un jour, j'étais à Tachana Merkazit. Il y a un monsieur, il vient chez moi. Il me dit, je t'en supplie, j'ai perdu mon portefeuille. J'ai besoin d'arriver à Haïfa. Donne-moi ton adresse. Je te rends. Je le regarde. Je lui dis, ok, viens, je monte avec toi dans le bus, je te fais pas. Non, j'ai pas besoin maintenant. J'ai un, ok, j'ai d'accord, j'ai dit, ok, tu veux noter, note mon adresse, je vais sortir son stylo. Après, je fais sortir un billet de 200 shekels. Je lui dis, tu as la monnaie 150? Il me dit, oui, je lui dis, monte avec ta monnaie. Ça, il faut le vérifier. Mais quand quelqu'un, si Razé Shalom, il vient, et il m'arrête dans la rue. Monsieur, donne-moi à manger, j'ai faim. Aucune question. Tout de suite, premier endroit où il y a à manger, tu vas et tu lui donnes à manger. Ochel, on ne demande pas. Chas v'shalom, peut-être il est à jeun, il faut tomber. Autre chose, il faut vérifier. On n'a pas besoin d'être idiot. Tu peux poser de la même manière que lui, il n'a pas honte de réclamer. De cette même manière, tu ne devrais pas avoir honte de réclamer toi aussi. Les détails, tu veux donner ton argent. C'est de l'argent que tu as travaillé là-dessus. Tu as sué. Donne-le à quelqu'un, on en fait une tzedaka avec. Ce ne soit pas quelqu'un qui te fait un tour. Ouais. Hachem barach, mais tout bon. Behen, behesed, berevach ou berachamim. Behen, c'est avec un charme. Le Rav Shach, il disait, regardez le charme d'Akadosh Baruch. Vous mangez une orange, ou une clémentine, ou un agrume. Prenez l'orange, ou la clémentine, ou la mandarine, vous épluchez, ça s'épluche facilement. Ensuite, vous séparez les quartiers. Ça vous salit pas les mains. Imaginez-vous que dans l'orange, il n'y aurait pas de quartier. Comment on aurait mangé une orange? On va la couper comme un ananas. Hachem, il a fait des fruits. C'est facile. Ça ne te salit pas si tu manges. Rien. Tu dois la manger. Tu te dis mange. Mais avec grâce. Chesed. C'est avec du chesed. Berevar, il te donne plus de quoi que ça reste. Berachamim, par un canou, même aux animaux, les chol basar. Mais c'est fou, comment nous, des hommes, on s'est détruit la bracha d'Hachem. Quand on voyait un chat. Aujourd'hui, j'étais au supermarché. J'ai vu un homme qui marchait à côté de moi avec un caddie. Il y avait 15 paquets de riz. Bon, par curiosité, comme j'ai pas cherché à regarder. Mais ça sautait à l'œil. J'ai regardé comme ça. J'ai baissé tout de suite mes yeux. Croyez que j'ai regardé son caddie. Il me dit, ah, j'ai du riz, ah, j'ai du riz.
Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, t'as pas entendu ce qu'ils ont dit ce matin à la radio? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que suite à la guerre avec l'Ukraine, comme il n'y a pas de blé, et ben maintenant, ils ont décidé en Inde et en Chine d'augmenter le prix du riz. Ben, tout le monde est en train de venir récupérer tous les riz. Je regardais ça en caddie. Je me suis dit, quand je voudrais acheter du riz, je viendrai chez toi pour prendre. En plus, en caddie. Tu peux manger pour 3 ans, tu vois. Genre, accumule. Quand tu regardes un chat dans la rue, il est tranquille. Quand la faim commence à lui faire grogne, 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 il se lève, il marche, et il attrape sa proie et il mange. Et l'homme, il accumule. Il n'a pas confiance en Hachem. Noten lechem lechol basar. Tu resteras pas sans pain. Sors dehors, tu verras. Tu fais un petit effort, tu trouveras. Sors dehors. On n'est pas simple. Avant, les gens étaient simples. Avant, les gens se mettaient, sortaient au marché, demandaient à Kadosh Baruch Hu une bracha, prenaient son sac, et ils sortaient dehors avec une pièce, ils achetaient, ils essayaient de revendre au marché même, retournaient à la maison avec Parnassa. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, il étudiait la Torah toute la semaine, vendredi. Il allait au marché. Il avait le sens commercial. Et un jour dans la semaine, c'est la Parnassa. Il allait de bonne heure, il faisait la prière au Netz. Il prenait un sac, il prenait un peu d'argent qu'il avait mis de côté. Il tournait un peu. Quand il voyait une marchandise intéressante, tout de suite il la prenait. Il ouvrait un étalage, il essayait de la vendre, il vendait bien. Et à 4 heures de l'après-midi, il pliait son étalage. Et Baruch HaShem, merci à Kadosh Baruch Hu, j'ai de quoi manger la semaine. Et pareil, vendredi d'après, comme ça. Un jour, il a dit, quoi, à Kadosh Baruch Hu, toutes les semaines, il me donne, contrairement à tout le monde qui va travailler tous les jours, moi, je trouve tout en une fois par semaine. Si à Kadosh Baruch Hu est tellement sympa et tellement gentil avec moi, pourquoi j'ai besoin de tous les vendredis? Je vais aller une fois par mois, il va m'amener mon mazal. S'il me donne mon mazal une fois par semaine, il me donnera mon mazal. Une fois par mois, il a pris un petit prêt de deux amis. Et une fois par mois, il a acheté des marchandises déjà plus chères, plus sophistiquées. Et une fois par mois, le vendredi, il allait au marché et ta, 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 ta. Parce qu'il étudiait la Torah, hein, c'est pas qu'il allait se promener. Vendredi, à la fin de la journée, il compte l'argent qu'il a gagné. Ça suffit pour un mois. A été heureux. Baruch HaShem, je pourrais étudier la Torah, tout ça. Et comme ça, il a fait pendant 5, 6 mois. Et il voit que, finalement, il a dit, si Akadosh Baruch Hu il m'aime tellement, pourquoi j'ai besoin d'aller une fois par mois? J'irai un jour par an. Un jour par an, ça suffit. Et j'étudie 364 jours dans l'année. S'il peut me donner à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné la parnassa une fois par semaine, il me l'a donné une fois par mois. Il va pas me la donner une fois par an. Sa femme, elle était exagérée. Là, tu as dépassé toutes les... Ah, ça va, ne sois pas... T'as marre, comme on dit. Une fois par mois, déjà, c'est... Faut pas dire à personne, fou, fou, fou. Calme-toi. Et il a dit non. Une fois par an. Il a pris son argent, il avait mis de côté un peu d'argent, il a pris son sac sur son épaule, et il marche. Il marche dans la rue avec ses pensées comme ça, en Torah. Tout d'un coup, il entend des cris. Juif, 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 juif! Ok. Il tombe. Il y a une femme qui le voit. Où tu vas? Il dit, je vais aucun part, je cherche des affaires. T'as quelque chose à vendre? Eh bien, justement, c'est pour ça que je t'appelle. Elle dit, mon mari, c'est un radin.
Il ne me donnait même pas à manger. Qu'il soit béni le bon Dieu qu'il est mort. Il vient de mourir cette semaine. Je suis descendu dans sa cave. Je vois des tonneaux avec du plomb. Qu'est-ce que je vais faire avec du plomb, moi? Moi, je ne fais pas la pêche pour du plomb. Je te donne le plomb. Le prix, j'ai vérifié, on m'a dit que le kilo de plomb, il vaut tant. Je te donne un 30% de sa valeur, mais prends tout. Il a regardé, il a dit, il a compté son argent, et il avait de quoi payer tout le plomb. Il a dit, ok, il a pris un carrosse, il a tout amené chez lui à la maison. Il a commencé à casser des tonneaux pour séparer le plomb, parce qu'il voulait aller qu'on lui estime pour voir comment on peut couper. Il rentre chez lui, il casse le premier tonneau. Première couche, c'est du plomb, tout le reste, c'est de l'or. Youssef Karo, il était honnête. Il a dit, la pauvre femme, elle a dit, son mari était un radin. Toute sa vie, il mettait de l'or et il couvrait avec du plomb. Il est parti chez elle pour aller lui rendre. Il va, il tape à la porte et voit. C'est le juif? Tu es venu pour me rendre le plomb? Je t'ai dit que non! J'ai rien envie! Va-t'en d'ici! Il dit, non! Elle me laisse même pas parler, écoute-moi. Si tu retournes ici, j'ai deux enfants, je vais les appeler, ils vont te casser la figure. Va-t'en d'ici tout de suite. Ça veut pas que. Il est sorti. Et il avait la parnassa. Et comme ça, il a écrit son Shulchan Aruch. Il a soutenu les rabbins de Tzfat. Et jusqu'à la fin de sa vie, avec richesse, il n'avait même plus besoin d'aller même pas un jour par an pour aller faire sa parnassa. Quand quelqu'un il a une émouna, Pshuta, noten lechem bechol basa. Qu'il est olam chazor, kadosh baruch hu. C'est lui qui donne la parnassa. Tout va avec Emouna. Il y a quelqu'un qui peut te prendre un centime qui t'appartient. Un centime qui te revient, on ne peut pas te le prendre. Mon grand-père Zirondan disait, quand un homme il est honnête, et son argent lui revient honnêtement, même si son argent il est dans la rue, vont passer 1 million de personnes, ils vont pas le voir. Ils peuvent pas le toucher. Ce qui te revient, ce qui est à toi, Behemet, Min Hashem, il est à toi et personne ne te touchera. Notez l'Echem l'Echol Bassar qui leur embrasse. David Amelech, quand il était berger, alors, il faisait paître les animaux de son père. Mais en même temps, pour gagner des sous, les bergers à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le matin, quand ils sortaient de la ville, les hommes en ville avaient des animaux. Avaient une chèvre, des chèvres laitières. Et il faut les faire brouter dans les champs. Eh bien, tout le monde le matin attendait aux bergers à l'entrée de la ville avec leurs animaux. Et lui, il sortait. Et il prenait l'animal d'un tel, l'animal d'un tel. Comme qu'il y a aujourd'hui Dog Sister. Eh bien, à l'époque, il y avait le berger. La personne, il prend les animaux, il sort dehors avec. Fin de la journée, il vient, il ramène les animaux en ville, et les gens viennent récupérer les animaux. Et une fois par mois, il donne quelques pièces. Un soir, il retourne, et il y a une chèvre qui manque. Et le propriétaire vient, et il dit à David, je suis désolé, mais. Elle est où ma chèvre? David Amelher, il est gêné. Il dit, ok, je dois te la payer. C'est-à-dire qu'il a perdu l'argent qu'il devait gagner toute cette semaine. Il a perdu parce qu'il fallait lui racheter une chèvre. David Amelher a dit, c'est pas normal, moi je fais très très attention sur l'argent des autres qui m'ont confié. Le lendemain, il retourne en ville. Encore une fois, il manque un agneau. Ah, il était déjà. C'est pas normal. Après cette perte, moi, toute la journée, je regardais, c'est pas normal, c'est pas normal. Il avait peur que ça se reproduise. Il est parti chez son cousin. Il a dit, écoute, viens avec moi demain. Je sais pas qu'est-ce que j'ai eu. 2 jours suivis, j'ai perdu des agneaux. Et c'est impossible, j'arrive pas à comprendre. Ok. Le lendemain, ils vont les deux ensemble.
midi, et il y a le cousin qui dit à David, regarde, regarde, regarde! Il y a un agneau, il quitte le troupeau doucement, doucement. Et David qui regarde, il va pour récupérer le troupeau, il court. Il monte sur des montagnes, il descend dans les vallées, et David derrière lui, 2 heures, il court, il court. À un moment, il monte dans une petite colline. Et David Améler, il voit une grande grotte en haut de la colline. Il suit l'agneau, et quand il monte, à l'entrée de la grotte, il voit énormément d'ossements d'animaux. Et il voit l'agneau qui rentre dans la grotte. Et il y a un ours marron énorme qui enfonce les ongles comme ça, et il la déchire en une seconde. David Hamer, il n'a pas eu le temps d'agir. Il s'est énervé. Il a pris ses pierres, elle a commencé, il a dit, je vais le tuer, je vais me battre avec lui. Et il voit que l'ours ne bouge pas, il essaye de se défendre, mais il ne bouge pas. Il a pris des bâtons, il a commencé à se rapprocher. Et qu'est-ce qu'il voit? Que l'ours est amputé. Il n'a pas de pied. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé tous les jours des animaux chez lui dans la main. Et là, David HaMelech a écrit le passouk Poteach et Yadecha ou Masbia Lekol Chai Ratzon qui est dans tes yeux. Écrit dans la halakha de celui qui a dit Asher Yoshev Betecha. Il n'a pas été Mechaven Poteach et Yadecha. C'est un des plus grands shevach d'Akadosh Baruch Hu et il n'a pas été acquitté. C'est ça le passouk de la Parnassa. Hachem donne à tout le monde. Tout le monde. Il envoie la parnassa à chacun. À chacun son pain dans sa main. Noten lechem lechol basar ki l'olam chazdo. Odu l'Eloi ha-shamayim ki l'olam chazdo. C'est ce qu'on dit. Quand on Shabbat dans le Shevach avant Baruch Shema. Noten lechem lechol basar ki l'olam chazdo. C'est plus que les maqués Melachim Gedolim, c'est plus que tout. Vayarog Melachim Adirim. Noten lechem lechol basar. Ce que ça veut dire, tous les animaux qu'il y a dans l'univers, et chaque animal, il a d'autres animaux à manger. Chaque poisson dans l'océan, Hachem lui envoie. Chaque araignée, des petites mouches pour manger, et la mouche, d'autres choses. Et il y a tout un cycle énorme, que chacun a sa parnassa. Chacun a sa parnassa. Chacun a tout. Ou betouvo agadol tamid lochasar lano ve'alichsar lano mazon tamid leolam ba'ed. Avec le Kadosh Baruch Hu, avec sa bonté, sa source de bonté, il n'y a rien qui nous manque. Et nous, on espère, même que nous ne sommes pas méritants, il y a des moments dans la vie, il y a des moments dans la vie où la parnassa de l'homme, il mérite, il fait des mitzvot, Baruch Hashem. Il y a des moments, malheureusement, où on ne mérite pas. Et malgré tout, on demande à Hashem, donne-nous. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est sa grandeur qui ou Elzan. On me farnesse la rôle. Kadosh Baruch Hu, il est Zan, mais il n'est pas un Zan, il est me farnesse. Quelle est la différence en hébreu entre Mazon et Parnassa? Le mot Parnassa, c'est tous les besoins de l'homme. C'est les habits, c'est les chaussures, c'est les loisirs. C'est les voyages, c'est la maison, c'est le décor de la maison. Et Mazon, c'est le pain. Alors, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas un gzan. Il est aussi Mefarnes Lakol. Et quand on reçoit la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'une manière Veshulchano Aruch Lakol. Sa table, elle est prête pour tout le monde.
Et à Kadosh Baruch Hu pour montrer encore plus sa grandeur. C'est incroyable. On a 8 milliards de gens dans le monde et chacun aime quelque chose d'autre. Celui-là, il aime l'omelette avec les œufs frappés. L'autre, il aime avec les œufs bouillis. L'autre, il aime en chouchouka. L'autre, il aime. Et chacun obtient exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire, quand le matin, le monde se réveille, il y a le manger à chacun qui est prêt. Un au restaurant, un au café. Chacun a retrouvé tout ce qu'il a besoin. Et il donne tellement de choses à chacun, des goûts différents. De la personne qui mange son caviar et qui a besoin de ça, jusqu'à la dernière personne qui va manger de la semoule cuite avec du lait. À chacun, il lui donne de la nourriture la plus épaisse, la moins bonne, à la gastronomie la plus raffinée, et au plaisir de quelqu'un de goûter un gâteau qui lui fait plaisir, ou un morceau de chocolat, eh ben, tous ses goûts, tout est destiné à chacun. De satisfaire tellement de personnes. Regardez un serveur au restaurant, quand il a 3 tables à gérer, comment il perd sa tête. Il y en a un, il lui dit, amène-moi un verre de limonade. L'autre, il lui dit, donne-moi ceci. Il sait plus. Et ça, c'est avec les iPads qu'ils ont. Ils perdent la tête. Et attends. Et Akadosh Baruch Hu, il a un système où il donne au monde entier, notem lechem lichol basan. Pas qu'aux hommes. Maintenant, on a oublié. Les animaux, les insectes. Vous savez combien de fourmis il y a sur Terre? Vous savez que si on prendrait toutes les fourmis qu'il y a dans la Terre, elle pèse plus que les hommes. Chaque homme, si un homme pèse 100 kilos, il y a plus que 100 kilos de fourmis par rapport au corps humain dans la Terre. C'est incroyable. Tous ceux-là sont vivants, ils vivent, ils se multiplient, ils mangent, il y a tout un système. Vitkin Miria ou Mazon. Les rôles de Riotard! Tout ce qui a été créé, même les virus, ils ont de quoi manger. Même le Covid, il a faim, il mange des hommes, malasot, il mange. Il a besoin de manger. Un virus, il a besoin de s'alimenter de quelque chose. Qui est Olam Chazdo? Asher bara berachamav, ouvrant chassadav, toute la bria, le yesh me'ayin, il est venu par la miséricorde d'Hachem, par son pitié. Ka'amour, comme qui est écrit, poteach et yadecha, umasbia lechol chay, ratson. La grandeur d'Hachem se manifeste rien que déjà du fait qu'il donne à manger, ça suffit. Mais c'est pas rien qu'il donne à manger. C'est qu'il donne à manger à chacun ce qu'il veut. En fin de compte, tu manges ce que tu veux. Le ratson, t'as un ratson dans la nourriture. Si tu n'aimes pas la nourriture, elle ne te rassasie pas. Dans la guerre, les gens, ils mangent des portions de nourriture. Mais comme ils n'ont pas de ratson pour manger cette nourriture, ils mangent ce qui vient dans la main et pas ce qu'ils ont envie de manger. Ils ont toujours faim. Dans un moment de guerre, un homme mange 2 fois plus. Et il a faim. Parce qu'il n'a pas de ratson. Un prince n'est pas gourmand parce qu'il sait que tout ce qu'il a besoin et qu'il veut, il suffit de brancher, de faire un petit bruit et il aura tout. Donc il ne veut rien. Quand un homme, il a une émouna shlema à Hachem, qui donne tout, donc il ne cherche rien. Rabbi Zusha, le frère de Rabbi Elimelech, de Lijansk,
Il avait une habitude de dire, chaque fois avant de se mettre à table, papa, en parlant avec Hachem, Zouche ton fils a faim, donne-lui à manger. Et la rabbanite ou le shamash, il rentrait avec le plat, il posait à table. Un jour, il y avait un des fidèles de Rabbi Zouche, un homme très riche, mais très imposant aussi. Il a entendu comment Rabbi Zouche lui dit ça. Et il y a le shamash qui rentrait avec le plat. Et c'était bien servi. Il y avait de salade, de pain. Il a dit, Rabbi Zouche, il dit ce qu'il dit. C'est un code. Papa, j'ai faim. Le shamash, il rentre. Moi, demain, je vends. Le lendemain, le shamash, il prépare dans la cuisine. Il attend que Rabbi Zouche, il dit papa. Et tout d'un coup, Rabbi Zouche, il dit papa, il prend le plat. Et à la personne, il dit, il prend le plat. Il dit, chut. Je ne prends pas un moment. Tu me laisses. Il n'y a pas de plat. Et il a dit, qui dit à papa, on va voir. Je veux voir s'il parle avec Hachem ou il parle avec toi. Il prend le plat, il le met de côté. Le shamash, il le bloque dans la cuisine, il n'est pas bougé. 5 minutes plus tard, et ils entendent Rabbi Zouche qui dit, c'est pas grave, papa, t'es pas obligé de me donner maintenant, hein, si tu veux pas. Et il chante un petit chant. 5 minutes qui passent, et Rabbi Zouche qui dit, papa, Zouche a un programme cet après-midi. Il doit aller faire des mitzvot. Il ne peut pas te attendre aujourd'hui. Il a besoin de sortir. Papa, est-ce que tu peux amener à ton fils Zoucha à manger? Et le shamash dit, c'est honteux ce que tu fais au rab. Et on prend le plat. Tu bouges pas, je t'ai dit. Tu bouges pas. Laisse que je vois comment papa il va le nourrir. Il va arrêter de parler avec des codes et des choses qu'il sait, tu sais. Qui nous ment pas. Bon. 10 minutes plus tard, ils entendent du salon. Papa, Zouche a faim. Maintenant, il a faim. Avant, c'était son habitude de l'heure de manger, mais maintenant, Zouche a faim. Donne-lui à manger. Et tout d'un coup, ça tape à la porte. Et il y a une femme qui rentre avec un plat, avec un canard grillé et une bouteille, une carafe de vin et du pain. Et des fruits. Elle tape à la porte et dit, Rabbi, tu m'as béni l'année dernière que j'allais avoir un enfant. Grâce à Dieu, j'ai eu un enfant, il est né en bonne santé, voilà, je me suis remis. Tu m'as fait plaisir, je voulais te faire plaisir. Tout est cachère, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai amené au chouchette, je t'ai grillé un canard, reçois de moi. Et elle a mis une table royale. Il est resté choqué, cet homme. Mais nous, on a compris quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Zouche, a toute sa vie, quand il a dit papa, il n'attendait pas que le shamash lui donnerait. C'était pas un code. C'était une vraie demande à Hachem. Et ça, c'est la plus grande avodat Hachem, de vivre un rituel, de recevoir ta paye tous les mois, d'être capable d'aller au supermarché, mais de comprendre que c'est papa qui te donne à manger. Tu vis comme tu es. On est cadré, Baruch Hashem. Baruch Hashem, qu'on est cadré et qu'on ne mendionne pas dans la rue. Baruch Hashem. Baruch Hashem, qu'on a une vie beaucoup plus facile que celle de nos grands-parents. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Pologne. Ils avaient une vie pas évidente. Ils pouvaient aller dormir affamés. Et nous, on a une vie plus facile, plus sereine. Mais ne jamais oublier que c'est Hachem qui nous met à manger dans la bouche. Ne jamais oublier. C'est ce que j'ai dit au début du shiur. C'est lui qui nous donne à manger. Mais l'homme, il m'a assez, nous. L'homme, il m'a assez. Poteach et yadecha umasbia lechol chatan. Baruch ata Hashem, hazan et hakol. Tout le monde.
C'est pour ça qu'aussi, quand on donne la tzedaka, on n'a pas à regarder comment il a l'air, le monsieur, qui nous a demandé à manger. Religieux comme nous, pas religieux comme nous, juif, non-juif. Non. Quand il y a quelqu'un qui vient te demander, tu n'as rien à regarder, tu donnes. Ta femme, mon fils, viens manger. Tu es assis quelque part, tu vois un membre qui dit, j'ai faim. Viens, on mange ensemble. Quand tu donnes à quelqu'un qui ne mérite pas, tu lui donnes, tu réveilles sur toi la miséricorde d'Hachem. Moi, j'ai nourri quelqu'un que je ne devais pas nourrir. Eh bien, Hachem aussi, il n'a pas besoin de me nourrir, il me nourrit. Et plus que ça, la Gemara, elle dit, quand quelqu'un, il est souffrant, il a une maladie dure, vous savez quel est le plus grand, la plus grande ségoula pour guérir? C'est de sortir dans la rue, et de chercher un chat de rue. Un chat de rue. Tu n'es pas censé le nourrir. Tu vas où il y a des bananes, tu achètes des graines. Il y a des pigeons. Tu n'es pas obligé de les nourrir. Ils ne sont pas à toi. Et tu leur donnes à manger. Tu dis à Hachem, j'ai pas besoin de les nourrir. J'ai pas un contrat avec eux. Je ne les ai pas achetés. Je ne me suis jamais engagé pour eux. De la même manière que j'ai pitié de tout ce que tu as créé, aie pitié de toi de ce que tu as créé. Moi, je suis ta création. Kol ha-merachem ala beriyot, merachamim ha-alav min ha-shamayim. Quand quelqu'un il se sent dans un moment difficile de sa vie, où il a besoin de la miséricorde divine, ben qu'il va, qu'il fasse la miséricorde avec les animaux de la rue. Que les pauvres, ils n'ont personne qui s'occupe de lui. Tu sors, tu leur donnes. Sans t'attendre à rien du tout. Prends une boîte de thon, tu sors, tu cherches un chat, tu ouvres, tu lui donnes. Il n'est pas là pour te dire merci, pour te bénir, rien. Tu donnes. Merachem à la beriyot. Kola merachem à la beriyot, merachamim à la bina shamay. Pourquoi? Parce que tu te comportes comme Hachem. Hachem, il donne que tu mérites ou que tu ne mérites pas. Il te donne. Si Chas v'Shalom, quelqu'un, il ferait une avéra, en journée, le soir, il a envie de mâcher, tout d'un coup, ça se bloque la bouche, il ne peut plus mâcher. Qu'est-ce que ça aurait été terrible? Il a parlé de la genara, il ne peut plus manger, il ne peut plus avaler. Et il a regardé ce qu'il ne faut pas regarder, il ne peut plus voir l'assiette, il ne peut plus voir la porte du frigo. Il ne peut plus bouger ses pieds, il ne peut plus bouger sa main pour prendre la fourchette. Et Hachem, non. Il n'en fait pas ça. Aucun compte. Il donne avec abondance. Il faut essayer de ressembler à Hachem. Ça, c'est la première bracha. La première bracha de Birkat Hamazon, donc si on résume, merci Hachem, parce que cette nourriture qu'on a mangée, elle n'est pas due à notre travail, pas à nos efforts, que à ta gentillesse, ta sacrée gentillesse, et ta miséricorde, et ta émouna. Et on a parlé de la grandeur, comment tu nous l'as amené avec charme la nourriture, comment tu as apprécié nos goûts, tu nous as donné selon ce qu'on aime, avec dignité, avec patience, comment tu parles qu'avec nous, avec ton monde entier, rien qu'avec les gens du monde, avec les animaux, avec tout le monde. Tu donnes à tout le monde, tu satisfais tout le monde. Donc on te remercie sur cette gentillesse énorme. Baruch et Hashem, Hazan et Takom. Il y a d'autres qui ajoutent Berachamav. On n'a pas besoin de dire Berachamav. C'est vrai que Hashem, c'est Midat Arachamav. Mais il y a des coutumes, ils précisent un peu plus. Donc ils disent Hazan Berachamav. Et ta colle. C'est que Rahamim, tout ce qu'il fait. Ça, on remarque quand il nous donne la nourriture. C'est plus difficile de voir les Rahamim d'Hachem quand c'est un côté rigoureux. Mais en fin de compte, tout est dû à sa midat à Rahamim. Alors, je dis qu'elle a envie de recevoir le chesed d'Hachem.
Quand on regardera l'assiette, ça sera différent que jusqu'à maintenant. Regardez autrement. Quand on fabriquait Amazon, avec un plus grand sens de remerciement, Hachem Yemez Reno, qui nous découvre, quand on enlève les yeux d'égoïsme, qu'on soit moins concentré à nous, et qu'on ait des yeux où on puisse mieux voir et reconnaître sa grandeur et ne pas être ingrat. Baruch Adonai Olam. Amen.